aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va faire un porte-clés, non un bracelet, avec ces petites perles plates en plastique. Donc vous les voyez là, je vous les ai mis là. J'ai mis dans le sens que je voulais comme couleur. Et du coup on va les monter sur le porte-clés. Donc hop, tout simplement. Donc, du coup, hop, rose. J'ai décidé d'en mettre 8 de chaque. J'espère que ça va faire joli. Alors d'accord, ça passe pas, donc j'espère que ça va passer dans l'aiguille. Je vais essayer de rentrer le bout de fil dans l'aiguille pour pouvoir mieux le faire. Alors, j'ai juste installé le fermoir de l'autre côté pour être tranquille, parce que c'est pas compliqué. Mais alors, mon aiguille apparemment ça va pas pour faire passer le fil. J'espère pas, parce que sinon ça va être compliqué. Non, ça passe pas. Ça passe pas, et dans la perle, j'ai l'impression que c'est trop gros, que ça passe pas non plus. Non, comme ça. Ça s'écrase. T'as un briquet? S'il te plaît. Va me chercher un briquet. Donne-moi un briquet. Ouais, on va essayer de brûler le bout pour voir si... Du coup, ça passe pas mieux. Hop là. Hop là, bah si, ça passe mieux en effet. Donc, si vous êtes un enfant, par contre, vous faites attention avec les briquets. Vous demandez l'aide d'un adulte. Normalement, c'est pas un tuto pour les enfants, mais on sait jamais. Alors, c'est des perles qui s'appellent perles et hachi, je crois. Ichi, ou je sais pas comment que ça se dit. H-E-S-H-I. Bon, je suis pas très douée. Hein. Donc, c'est en partenariat avec bibicraft.com. Voilà. C'était la grande mode en 2020. Et puis, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait sur leur site. Ça m'embête un peu. Et du coup, je voulais des boîtes de rangement pour DP, mais ils ne voulaient pas me les envoyer parce qu'il y avait trop de frais de port. Donc, du coup, j'ai choisi un peu par dépit ces petites choses. Et j'ai dit, de toute façon, avec les enfants, ça pourra toujours servir. Donc là, voilà, la première couleur, elle est faite. Donc là, on va mettre du violet. Je voulais faire un arc-en-ciel. Donc j'ai pris avec les couleurs que j'avais, mais j'ai pas le orange. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant. Oh, ça m'embête. C'est casse-pied. Oh là là. Moi et la patience. Hein. Du coup, si je vous parle pas, c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'essaie de me concentrer. Donc je vais faire ça et placer toutes mes couleurs. Et après, si... il me manque des perles, que c'est pas assez grand pour mon tour de poignet, et ben je remettrai les couleurs dans le même ordre. Donc c'est tout simple, hein, vous fixez les perles. Enfin, j'essaie de regarder s'il n'y a pas des trucs qu'on pourrait faire. Je suis sûre que je pourrais faire les mêmes tutos que les porte-clés animaux là, que j'avais eu dans le même truc, mais il faudra un fil de pêche, pas du fil comme ça, parce que ça, une fois que vous avez passé ce fil là dans la perle, vous pouvez pas le repasser, alors que pour faire les animaux il faut repasser plusieurs fois dans la même perle. Donc du coup, c'est, il faut au moins faire
un aller-retour dans la perle, donc c'est pas possible. Mon fil étant trop épais. Désolé pour le téléphone. Monsieur est en train de jouer Animal Crossing et il a eu le canon par la mouette là, le truc pirate. Je sais plus comment il s'appelle, la mouette rouge pour ceux qui connaissent. Et il vient de me montrer qu'en fait on pouvait tirer avec le canon. C'est ça. Animal Crossing nous prend tout notre temps. Non, je vous rassure, hein, ça ne prend pas tout mon temps. J'ai beaucoup de rendez-vous. Donc, ça me prend du temps. C'est plutôt les rendez-vous qui prennent du temps. Je n'arrive pas à mettre la rondelle. Alors, est-ce que je m'y prends mal ou je sais pas, mais... C'est pas facile de tenir un tout petit bout de plastique comme ça, une rondelle. Et de pousser en même temps pour mettre la pierre, la perle. Alors j'ai essayé de mettre un aiguille, hein, vous avez vu, je peux pas mettre une aiguille non plus. Pourtant, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Et maintenant que le bout il est brûlé, peut-être que je peux passer l'aiguille, mais je pense pas non plus. Ouais, ou alors il faudra agrandir le chat de l'aiguille, mais comme c'est l'aiguille qui me sert pour mes perles. Ouais, non, ça veut pas. Qui me sert pour mes perles. Ma toile avec les perles à faire. Je voudrais pas l'abîmer. Donc, du coup, vous entendez les boutons de monsieur. Hein. Je suis désolée. Si je vois que ça devient trop long, je couperai et je vous reprendrai à la fin. De toute façon, il ne faut pas être nunuche pour comprendre ce qu'il fallait faire. Là, c'est tout simple. Je vais juste mettre toutes les couleurs et puis après monter le fermoir. Oh là là, je suis désolée, mais ça prend deux plombes. Pourtant, ça passerait en plus. C'est dommage. Donc j'ai pris du jaune comme fil, je sais pas pourquoi. C'est du orange, du jaune orangé. J'ai pris le premier fil. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Oh, ça va pas faire le focus. Puis, je suis mal installée. Oh, je suis désolée pour le coup de pied. Je suis mal installée, ça me fait mal au dos. Ah bah tiens, du premier coup. Comme par hasard, il y en a une qui rentre du premier coup, les autres non. Si vous avez technique, ça va pas rentrer. Si vous avez une technique, je suis preneuse. Je pense que la technique, elle est toute simple, c'est qu'il fallait un fil qui était moins gros. Et si j'essaie de passer le chat de l'aiguille qui est plus gros dedans. De faire ça déjà, ouais, non, ça passe de direct dessus. Donc, ouais, moi j'ai pris 8 de chaque couleur déjà. Donc là, je vais faire un bracelet avec vous. Et puis bah, après, je ferai des bracelets décollés avec les loulous, je pense. Je pense que ça va leur plaire, mais vu qu'ils ont la patience et eux, c'est comme moi.
sont plus ou moins patients. Je suis pas sûre que ça aboutisse à grand chose. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire autre chose que des bracelets et des colliers, peut-être des bagues, même des décos de téléphone ou pour des sacs. Je vais chercher un peu sur internet pour essayer de vous faire un prochain tuto. Avant que les loulous mettent les pattes dans les pierres, dans les perles. Parce que après, ça va être compliqué. Donc, il y a des fois ça passe assez bien et des fois ça passe un peu moins bien. Et pareil pour la longueur, je pense que je sais pas comment c'est coupé, si c'est coupé à la main ou à la machine, mais il y a différentes grosseurs de pierres, de perles. Mais je pense pas que ça s'est coupé à la main quand même. J'ai mis comme attache l'attache de BB Craft que j'ai eu sur le site aussi avec le mousqueton d'un côté et qui sont aimantés. J'ai des gros doigts donc en plus ça le fait pas quoi. Oh là là. On essaye d'avoir la couronne pour ceux toujours qui jouent à Animal Crossing avec Elvis parce qu'on nous a dit que en fait on a regardé sur internet et moi je les appelle les compagnons mais les villageois que vous pouvez avoir dans votre île mais en fait il y en a un qui s'appelle Elvis et c'est un bourge et lui il a la couronne qui coûte 1 200 000 je crois et du coup on est en train de tout faire pour qu'il nous la donne et en fait la méthode c'est de lui donner plein de meubles et à un moment donné il a plus de place chez lui et du coup il dit que il va vider et puis après il vous donne la couronne. Voilà. Et la couronne elle coûte super cher. Ah, ceux-là sont bien taillés, quel bonheur. Ah oui, ça va tout seul, 3. Et 3. Ah zut. Ah bah mince. Oh, punaise. J'espère que vous voyez ce que je fais. Hein. Et 3, 6. Donc voilà. Donc là, pour moi, mais il faut facilement encore un tour comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo là. Je refais une ligne complète comme ça. Et après, je pense que ça sera ma taille. Et je vous reprends pour finir. Alors voilà, là j'ai fini. J'ai remis du coup la même longueur. Alors je pense qu'il en aurait fallu un peu plus. Mince. J'ai pas calculé avant. Oh, quoique. Juste peut-être mettre une rangée de roses. Donc je vais le faire avec vous. Je vais remettre les mêmes roses qu'au début. Ou au moins que... non, je vais mettre pour finir juste du noir.
2, 4, 6, 7, 8. Hop, hop, hop. Je vais faire ça. On va mettre une longueur de noir, ce qui va fermer complètement le bracelet. Toujours aussi simple de les mettre. Et je pense, j'ai réfléchi au mousqueton qu'il y avait au bout. Je vais pas l'enlever parce que je pense que ça fait comme sur les bracelets Pandora. Ça s'accroche sur le côté pour au cas où l'aimant se détache pour pas perdre le bracelet. Donc je pense que ça sert à ça. Donc du coup, je vais le laisser en effet. Je vais me dépêcher, il y a la petite qui commence à se réveiller. Et puis on a toujours autant de bordel au-dessus de chez nous. Je suis désolée si vous venez d'entendre du bruit, ça n'est du dessus. J'en ai plus que marre. D'ailleurs, je pense que c'est eux qui ont réveillé la petite en faisant le bordel. C'est plus que ce casse-pied, on cherche une maison, mais ici où je suis, c'est un peu la misère. La semaine dernière, on en a vu deux. On a appelé pour les deux maisons. Il y en a une, on n'avait pas de budget. La deuxième, c'est une mamie qui tient la maison. Et du coup, la mamie de 100 ans, elle voulait pas que on habite dans sa maison. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Donc comme pour j'ai fait en haut, hop, je mets au ras du bord. Au rabord, hop, et je vais faire un nœud. Alors je suis désolée, vous allez entendre la petite pleurer, mais je veux finir ça. Je vais pas recouper maintenant, hein. Hop. Si elle pleure de vraiment trop, son papa va se déplacer avant que je me déplace. Et voilà, là je vais faire plusieurs nœuds pour bien sceller le bracelet. Du coup, ça a laissé un jour entre les deux, tant pis, c'est pas grave. Il faut essayer vraiment de bien mettre ça au bord, au bord. Je vais essayer de tricher un petit peu en faisant un gros nœud. Voilà, je vais refaire un nœud par dessus voilà, et du coup, tac, ça va être bon, et tac, il est un petit peu juste, voilà. Et voilà mon petit bracelet. Donc après je vais couper, hein. Et ça, du coup, je pense que quand vous le mettez, vous passez, enfin moi je vais le faire comme ça, je vais le mettre et je vais le passer là sur le côté. Bon, donc je vais faire comme il faut parce que là, bon, là j'arrive pas à le faire, hein. Mais sinon vous passez là entre deux perles et puis du coup ça bougera pas. Donc voilà pour mon petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et c'était en partenariat avec Bibicraft. Gros bisous à tous.